L'essentiel de l'info à 17h30 sur LCI, des routes et des maisons inondées à cause de la pluie. Le département du Loiret maintenu en vigilance rouge par Météo France pour des risques de crue du Loing, un affluent de la Seine. Tous les établissements scolaires d'ailleurs resteront fermés demain dans tout le département. Et puis à Paris, les voies sur berge sont fermées ainsi qu'un certain nombre de souterrains sur les quais. Deux autres départements sont placés en vigilance orange ce soir, le Loir-et-Cher et la Seine-et-Marne. Et à cela s'ajoute la galère à prévoir sur les rails. À partir de ce soir 19h, grève illimitée à la SNCF avec des prévisions de trafic avec 6 TGV sur 10, 4 Transiliens sur 10, vous les voyez ici. Les cheminots entendent peser sur les négociations internes, sur l'organisation de leur temps de travail, mais aussi, évidemment, protester contre la loi El Khomri. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, très remonté contre Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui dans Le Monde traitait son syndicat de voyous et terroristes. Philippe Martinez a décidé de porter plainte pour diffamation. Le MEDEF, par ailleurs, appelle ce soir les entreprises touchées par les blocages à porter plainte à leur tour. Selon le site Mediapart et le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron est rattrapé par l'ISF. Le ministre de l'économie espérait ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune. Mais après vérification fiscale déclenchée après sa nomination au gouvernement, eh bien le patrimoine du couple Macron a été réévalué. Il a donc fait une déclaration rectificative pour les années 2013 et 2014. Après Nantes, direction l'Autriche, l'équipe de France de foot qui a remporté hier son premier match de préparation contre le Cameroun est arrivée dans un hôtel 5 étoiles près d'Innsbruck. Les Bleus qui poursuivent leur stage, ils vont y rester jusqu'à samedi, jour de leur rencontre contre l'Écosse à Metz. Allez, tout de suite notre interview politique, le Winon. Le Winon, bonsoir Marion Maréchal Le Pen, députée FN du Vaucluse, merci d'être avec nous. Vous essayez de répondre rapidement par oui ou par non, on détaille ensuite. Franchement, est-ce que vous ne regrettez pas votre présence à Béziers entre les propos racistes, souvent nauséabonds? Ça ne vous a pas rendu service? La tournure de la question est assez maladroite, mais non, je vous expliquerai pourquoi. Le FN peut-il arriver au pouvoir seul? Oui, ça dépend de quelles élections. Il faut créer des passerelles avec la droite classique? Oui. Vous craignez une autre candidature de la droite nationale, puisqu'on ne va pas dire extrême droite, vous le refusez pour la présidentielle? Oui. Vous condamnez les propos de Pierre Gattaz qui traite la CGT de terroristes et de voyous? Je les trouve maladroits. Alors, on reprend. Vous regrettez pas votre présence à Béziers? On a entendu pourtant des théories très dures, racistes, assez fumeuses. Votre présence là-dedans, ça s'explique comment? Alors, moi, je suis pas venue. Alors, moi, j'ai pas entendu de propos nauséabonds et racistes. Néanmoins, je suis pas venue pour cautionner ou partager l'intégralité de ce qui s'est dit dans les débats. Je trouvais simplement intéressant de voir justement, de réussir à réunir des gens qui venaient pas nécessairement des mêmes partis, qui n'avaient pas forcément les mêmes positions, mais qui avaient un socle commun. Quand même claquer la porte, vous êtes parti. Je suis parti parce que ce qui m'a déplu, c'est pas tant le débat d'idées, car moi j'aime le débat d'idées, mais c'est le changement soudain de stratégie de Robert Ménard, qui jusqu'ici avait toujours défendu le fait qu'il fallait rassembler autour de Marine Le Pen et qui soudainement faisait des déclarations impromptues en disant je ne serai pas le marchepied du Front National, qui avait pourtant été le sien au municipal. Mais quand vous entendez par exemple le grand remplacement des musulmans qui remplacerait les autres, les chrétiens par exemple, ça vous va comme théorie? Alors moi je suis de celles qui considèrent, et je pense que tout qui a des yeux en France voit la même chose, qu'il y a en effet aujourd'hui un remplacement de population sur une partie du territoire. Il y a même certains territoires qui sont en sécession culturelle, où les mœurs et les traditions françaises ne sont plus vécues au quotidien, mais remplacées en effet par une culture d'importation. Sincèrement ? Oui, sincèrement, honnêtement, je le vois. Et d'ailleurs, malheureusement, la montée de l'islam radical en est aussi un symptôme. L'apparition du terroriste islamique sur le territoire français en est un symptôme. L'insécurité. C'est une minorité des musulmans de France. C'est une minorité non négligeable, je vous le concède, c'est une minorité, mais non négligeable, et surtout qui a des conséquences graves. Et donc, c'est vrai que j'en voulais d'autant plus à Robert Ménard qu'aujourd'hui, force est de constater que les présidentielles, c'est une élection de challenger, et qu'aujourd'hui, la seule candidature, on en déplaise à certains, qui est une candidature patriotique, qui défend les idées. Non, mais pour revenir sur le remplacement. Qui peut gagner, c'est Marine Le Pen. Les musulmans sont des Français comme les autres? Mais bien sûr, mais c'est pas une question de religion aujourd'hui dont on est en train de parler. Ah bah quand vous parlez du remplacement, si. Oui, non mais d'accord, mais aujourd'hui, ce qui me pose une difficulté, si vous voulez, c'est que nous sommes quand même en droit en France de défendre nos traditions, nos mœurs, notre façon de vivre, notre culture, notre droit, et qu'il y a aujourd'hui malheureusement une minorité qui a des revendications politico-religieuses, qui officine dans les banlieues françaises, qui cherche à imposer un modèle politique qu'est la charia. Politico-religieuse, ils sont ni de droite ni de gauche?
Ça veut dire quoi, politico-religieuse? Ça veut dire que ce sont des revendications religieuses et à la fois politiques. Lorsqu'un certain nombre exige d'avoir des horaires séparés dans les piscines, d'avoir du halal qui s'introduit dans les établissements scolaires, d'avoir la violation systématique de la loi de 1901 sur le financement du culte, en trichant avec les lois, en faisant des associations culturelles qui sont en réalité des associations cultuelles. Voilà, c'est l'ensemble de ces comportements-là que nous condamnons et dont nous voyons malheureusement qu'ils participent de la radicalisation d'une partie de la jeunesse française qui est en mal d'identité et qui a tendance à se chercher une identité de substitution à travers cette radicalité. Alors, le FN est incontournable, dites-vous. En gros, pour la présidentielle, c'est Marine Le Pen ou rien ? Force est de constater aujourd'hui que la seule candidature sérieuse qui, selon moi, répond à ce socle commun de la droite... Une candidature Ménard ne serait pas. Qui pourrait gagner... j'aime beaucoup Robert Ménard, mais je ne crois pas qu'il ait les capacités de remporter une présidentielle. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes en accord avec 90% des propositions qui ont pu sortir de ce week-end-là. Et je ne ferai pas tout à fait la même analyse sur les législatives, qui, pour le coup, pourraient amener, dans le cas d'une majorité présidentielle, des passerelles, des ponts, des accords... La majorité présidentielle, ça veut dire que votre tante l'emporterait à la présidentielle. Oui, c'est l'objectif. Ouais. Donc oui, là, Marine Le Pen peut gagner seule à l'élection présidentielle, c'est ce que vous dites, mais pas au législatif. Le FN ne peut pas gagner seule. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toute initiative de candidature dissidente qui partirait sous un nom quelconque aurait... Et vous la craignez, cette candidature dissidente? Je la crains. Je peux voir les égos monter, les velléités monter, parfois pour de très mauvaises raisons, évidemment. Et ce que je constate, c'est que le seul objectif serait de servir de tremplin, au contraire, à la candidature de Sarkozy, de Juppé ou de François Hollande. Donc je ne vois pas l'intérêt stratégique de se diviser à l'occasion de cette élection. En revanche, les discussions, je crois, elles doivent avoir lieu au moment et de façon très active des législatives. Et vous ne voulez pas de discussion avec d'autres pour la présidentielle? Parce qu'on l'a vu dans les régionales, ça passe pas, le Front National tout seul au deuxième tour. Oui, mais enfin, moi je crois pas à cette théorie du plafond de verre. En 2010 au régional, on nous l'opposait déjà lorsque nous faisions 25%, on nous l'a opposé encore lorsque nous faisions 45% en PACA. Dans le Vaucluse, on a fait 51%, donc je crois que nous avançons. Parce que le souci, c'est que c'est bien joli les alliances dans l'absolu pour gagner plus vite, je vous l'accorde, ce serait pratique, mais pour s'allier avec qui? On va pas s'allier aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Enfin, ça n'a pas de sens. Les Henri Guénaud, les Philippe de Villiers, les Nicolas Dupont-Aignan, ils veulent pas de vous. Mais les choses évoluent quand même. Je vous rappelle que vous avez eu des contacts. Je vous rappelle que Monsieur Villiers a appelé quand même à voter pour moi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je crois que nous sommes loin d'avoir des mauvais rapports avec Nicolas Dupont-Aignan, même si nous n'en sommes pas au stade aujourd'hui de pouvoir s'allier. Je vous rappelle qu'il avait quand même dit qu'il prendrait Marine Le Pen comme Premier ministre s'il était élu président. J'y vois quand même un gage de confiance et de connivence politique. Et je crois que au moment des législatives, je le souhaite ardemment, ce sera l'époque des passerelles. Je suis de celles qui défendent des listes blanches aux législatives. C'est l'idée, par exemple, que dans le cas où le Front National arriverait derrière un candidat qui nous semble partager un grand nombre de valeurs communes, eh bien, il serait peut-être judicieux de réfléchir à un désistement ou à une alliance de circonstances pour éviter que les socialistes, qui sont nos adversaires communs, puissent gagner dans le but d'avoir la majorité la plus large possible. Vous espérez combien de députés ? C'est très compliqué de vous dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au régional, il y a plus d'une centaine de circonscriptions où nous avons obtenu plus de 40%. Donc de quoi être quand même assez optimiste sur le résultat final. Sauf que la stratégie là, que vous désirez, puisque vous employez ces mots-là, j'aimerais, je désirerais, elle va à l'encontre de ce que veut Florian Philippot. Non, il n'est pas du tout contre des alliances. Il a d'ailleurs plusieurs fois tendu la main à Nicolas Dupont-Aignan. Lorsque je m'étais rendue au meeting, à la conférence de Philippe de Villiers, il avait dit tout ce qui va dans le sens du Rassemblement des Patriotes est une bonne chose. Donc non, je crois que l'état d'esprit qui nous anime est plutôt positif et plutôt uni de ce point de vue-là. Même si c'est un secret de polichinelle, vos rapports avec Florian Philippot ne sont pas non plus les meilleurs. C'est pas un ami, mais on n'est pas obligé d'être ami avec l'ensemble des gens avec lesquels on travaille. En revanche, c'est un partenaire politique, un partenaire de premier plan. Et je crois que vu les circonstances actuelles de notre pays, il n'est pas le temps. Nous n'avons pas le temps à la chicanerie, vous voyez. Dans les sondages, Marine Le Pen est en train de baisser. Elle a perdu des points. Est-ce que c'est dû à sa stratégie d'un certain silence? Il faudrait qu'elle se montre plus. Oui, enfin les sondages, c'est comme les statistiques du chômage. On les utilise. Ils sont bons, vous ne dites pas ça. On les utilise à bon escient. Non, moi j'ai toujours été extrêmement méfiante à l'égard des sondages.
messages, même quand ils étaient très positifs. Non, je ne crois pas que ce soit le symptôme de quoi que ce soit. Sincèrement, l'ensemble de l'actualité nous donne raison. On voit que même sur les grands sujets de société, on en parlait encore aujourd'hui avec la loi El Khomri, le Front National est plutôt en phase avec justement les aspirations des Français, en rappelant dès le départ que cette loi ne répondait pas aux aspirations des TPE, PME. Bien au contraire, elle est même aggravée leurs difficultés. Et une fois de plus, on voit qu'il y a quand même une majorité de la population qui nous suit sur ce diagnostic. D'accord avec Pierre Gattaz, qui traite la CGT de terroriste et de voyou. Terroriste, c'est peut-être un peu exagéré. En tout cas, moi, je ne partage pas du tout les méthodes de la CGT. Je n'ai pas du tout d'amitié pour les dirigeants de la CGT. Je considère qu'ils sont responsables, d'ailleurs, de la situation actuelle. Ils sont battus pour que la gauche arrive aux affaires. Ils ont appelé à voter François Hollande. Ils ne se sont jamais battus contre l'Union européenne, qui est à l'origine, d'ailleurs, de la loi qu'ils combattent aujourd'hui. Et maintenant, ils viennent pleurer sur les conséquences, en violant la loi, en portant atteinte à les libertés de la presse, sauf l'humanité, à bon entendeur. Et ils prennent les Français en otage pour une loi, excusez-moi, mais qui est une loi bidon, dérisoire. Je veux dire, la réaction est totalement disproportionnée. C'est une loi où il n'y a rien, en réalité, qui puisse justifier, selon moi, l'ampleur de la réaction telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'avec des propositions plus libérales, vous pensez que la France pourrait être encore davantage mobilisée ? J'aurais souhaité, non, je crois au contraire que cette loi rate le coche, en fait. Elle est en train, la mesure phare qui suscite l'opposition des syndicats, c'est une réaction corporatiste. Donc, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, cet accord d'entreprise qui ne s'appliquera d'ailleurs qu'à une infime minorité des entreprises, c'est plutôt les grands groupes qui sont concernés. Je rappelle que 90% des entreprises, c'est des TPE, PME en France. Cet accord d'entreprise, elle cherche à traiter un mal qui est celui du déficit de représentativité des syndicats, qui fait qu'on essaye de les contourner bon an, mal an avec cet accord d'entreprise. Et donc, ils ont une réaction corporative. Ce sont leurs intérêts qu'ils défendent. Pas la CFDT, en fait. Hein. C'est vrai. Mais en réalité, je pense que ce sont les intérêts, en tout cas en ce qui concerne la CGT, qu'ils défendent. Et à côté de ça, les questions des charges sur les entreprises, la question du coût du travail, la question des effets de seuil, des délais de paiement, de l'accès au crédit. Vous feriez mieux si vous étiez au pouvoir. Et là, tout ça est absent de la... Vous n'auriez pas la CGT contre vous, les syndicats, etc. Nous aurions certainement une partie des syndicats contre nous. Ce qui est vrai, en pense, je crois, moi, aux vertus du référendum. Et je crois que sur les grandes réformes structurelles, il faudra aller au référendum pour permettre un débat démocratique, voilà, plus serein qu'en passant en force comme le fait le gouvernement avec le 49. Question d'actualité. Emmanuel Macron a été contraint par son administration de payer l'ISF, y compris rétroactivement. Une réaction ? Au moins, il paye ses impôts en France. C'est déjà bien. Contrairement à d'autres. À qui ? Je sais pas. On a vu quand même beaucoup, un certain nombre, faire de l'exil fiscal. C'est la démonstration. Au moins, il dissimule pas son patrimoine. Bon, on ne peut pas le vilipender pour ça quand même. Comme vous, Emmanuel Macron, c'est le renouvellement de la classe politique. Je ne suis pas convaincue. J'avais eu une expression en disant, voilà, pour moi, Emmanuel Macron, c'est Alain Juppé avec 30 ans de moins et une barbe de 3 jours. Parce que je ne vois pas ce qui, dans son logiciel, est en rupture avec ce qui est défendu, en réalité, depuis des décennies par, justement, cet Alain Juppé et même l'ensemble de la classe politique. C'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron ? C'est la loi Macron qui, excusez-moi, était une espèce de fourre-tout pas excessivement intéressant, à part la libéralisation des bus. Je ne vois pas ce qui peut entraîner cette espèce de macromania aujourd'hui tel qu'on le présente. Merci beaucoup. Merci. Marion Maréchal-Le Pen, députée FN du Vaucluse.